qui accédera à la finale de la Grande Coupe d'Europe? C'est l'enjeu de cette rencontre que nous allons vous faire vivre. Et coup d'envoi de ce match. Madrid qui vient ici défendre son résultat acquis à domicile lors du match aller. Et qui a un pied en finale, même s'il reste 90 minutes au moins à jouer. Cristiano Ronaldo. Il décide d'allonger le jeu. Une très longue passe. Benzema. Le ballon traîne toujours, attention. C'est Ronaldo qui centre. Oh, s'il réussit son contrôle. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long. Pour trouver la faille dans la défense. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre ce jeu. Cristiano Ronaldo. Une très grande ouverture. Centre en retrait. Et c'est un corner. Ça, c'est directement pour le gardien. C'est joué long, attention. Quel tacle! À la régulière, il est battu, joli tacle. Dans le dos de la défense. Le ballon sort en touche. Belle passe lobée. Il centre directement. Il file sur l'aile gauche. Il peut frapper. Et pourtant... On a atteint la mi-temps de cette demi-finale. C'est étonnant de les voir aussi tendus. Ils pourraient être plus sereins après leur victoire du match aller. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Il centre de loin. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo, c'est bien écarté. Ça peut être dangereux! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Torrejón, il tente de la jouer dans l'espace. Et ce ballon vers ses attaquants, il la tente! En profiter. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Torrejón pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long, attention. Les filets tremblent, c'est dedans. Et c'est le but. Et le match s'anime enfin dans cette seconde période. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. Torrejón qui vient de marquer pour la sixième fois dans cette compétition. Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but. Toni Kroos qui est récompensé de son pressing. Il joue dans l'espace. On s'est bien joué. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Oui, bonne intervention de la défense. Et un bon centre dans la surface. Et ce centre ne trouvera pas preneur.
mais il se débarrasse trop rapidement du ballon. Ce n'était vraiment pas la bonne solution. Quelle passe! Oh, voici Mertens. Mais ça va vite sur l'aile gauche. Oh, il l'a récupéré! Un grand dégagement le plus loin possible. Une longue passe. Oh, Javier Hernandez. Qui a été très actif sur le marché des transferts, non? Ils ont presque les deux pieds en finale. La bonne passe. Javier Hernandez. Ça peut faire mal s'il est servi. Mertens. Ce ballon bien dosé dans les runs, bien servi. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, voici Bale. C'est joué long, attention. L'ouverture lumineuse. Il frappe. Il y a mis du cœur, mais il est... C'est fini, le match est terminé. Cette victoire est 100% méritée. Ils ont tout donné et s'ils jouent comme ça en finale, ils peuvent très bien remporter le trophée. Ah, c'est génial! Et avec cette victoire, les voilà en finale. C'est mérité pour moi.